Ok les gars, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi, il est 11h37 et je suis en train de bosser en fait sur du montage tranquillement. Alors là, on est là pour le prank. J'espère que je vais le faire, j'espère que ça va bien se passer, mais j'ai déjà commencé depuis ce matin. Alors je vous mets dans le contexte. Alors attendez, est-ce que je peux vous poser quelque part là, histoire de parler tranquillement? Ok, je vous mets dans le contexte. On est samedi, du coup aujourd'hui je vois mon chéri parce qu'en ce moment on se voit que samedi et dimanche parce qu'il bosse beaucoup, comme j'ai expliqué, je crois que j'ai expliqué ça dans le vlog. J'ai envie de le pranker, vous savez que depuis le début de ma chaîne je veux pranker ce Chris là, mais à chaque fois j'ai peur de me dire que je vais pas réussir parce que Chris, déjà, un, il est nerveux, vous le voyez comme ça, calme, mais il est très nerveux, donc je me dis que le prank il va durer 1 seconde et demie, il va perdre patience, il va se barrer. Ou j'ai peur de moi rigoler, tu vois. Même pas lui faire croire que je le trompe ou je sais pas quoi, parce que ça marcherait pas. Mais juste l'ignorer. Là, il est trop content. Il arrête pas de me dire il est content de me voir, qu'il est surexcité. Il a trop hâte de me voir et tout, parce que bah on s'est manqué. Ça fait presque 1 semaine qu'on s'est pas vu. Donc là, j'ai hâte qu'il arrive. Et donc, du coup, je sais même pas où est-ce que j'ai placé la caméra. Il va voir la caméra. Il va la voir. Il va la voir, c'est sûr. Ah, je sais. Attendez, je sens que je vais vous foutre ici, les gars. Là, il va jamais la voir. Là, s'il voit, il va jamais la voir ici. Alors, attendez. Hop. Mais si elle tombe aussi, eh. Là, normalement, c'est bon, hein. Et on est posé et tout. Mais je sais pas s'il va observer. Je sais pas. Oh my god. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, guys. On se retrouve quelques temps après. Bon, heureusement, j'ai demandé à Chris, il est où? Là, il vient de me dire, il est à un arrêt de chez moi. Tu fais quoi?
Bah, tu me parles pas du... Mais parce que j'ai senti ma vidéo, toi. Mais tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Mais pourquoi? Mais il est très nerveux, donc je me dis que le prank il va durer une seconde et demie, il va perdre patience, il va se barrer. J'ai essayé de te pranker. Là, ça fait une semaine là, on s'est pas vu. Ouais. Là, vous me pranker en mode le truc là. J'ignore mon pas, mec. Je te parle pas là. Ouais. Pour voir ma réaction machin. Du coup, elle me parlait pas pendant 5 minutes. Elle était sur le téléphone. Ouais, je suis trop occupé. Nanana. Et puis pendant 5 minutes là, et puis après, je me suis dit, ça sent l'entourloupe. Le mec, il savait déjà que je faisais un prank. Mais comme il a réagi. Mais j'ai pas vu la caméra. Et du coup, je me suis dit, il a pas vu la caméra. Et je vais pas lui dire où est-ce que je l'ai caché. Parce qu'un jour, les gars, je vous promets. Ça va jamais marcher. Un jour, je vais réussir à le pranker. Bref, et du coup, il fait quoi? Il change de pièce. Je suis parti dans la chambre. Je me suis dit, là, il y a pas de caméra, c'est sûr.
Et moi je me suis dit bah il change de pièce parce que moi je m'attendais de toute façon à qu'il est cramé ou pas, je m'attendais à ce qu'il change de pièce parce que c'est Chris. Tu vois, genre je te calcule pas, tu me calcules pas. Il est comme ça. Et du coup bah voilà, imagine mais je t'avais cramé, que c'était un prank et tout. Mais vous inquiétez pas, un jour je vais la voir ce mec. Je vais grave la voir.